Second speaker, Ousmane Folsar from Sénégal is unable to join us, unfortunately. But the timing of this event is not a coïncidence. We deliberately wanted to hold this ITMO event, this Article 6 event, early on in the negotiations because we want to communicate to the parties that there are pilots going on, that we are actively working to solve these issues, and that we really are ready to move ahead and engage more concretely in Article 6 activities, because indeed they are the main way that the private sector can engage in many of these kinds of activities. So with that, let me move to the next part of our presentation, and it's my pleasure to invite our director, Alhamdu Dorsuma, to introduce and launch the West African Countries ITMO Readiness Scoping Assessment Report. Over to you, Alhamdu. Thank you. Thank you very much. I think the study that we are launching today is very critical for Africa. Why? Because actually the cooperative approaches that are referred to under the Article 6 of the agreement are not new. Because under the Kyoto Protocol, as you may know, there was that mechanism that the VP has mentioned, the Clean Development Mechanism. But actually, Africa was not successful really to access much of the opportunities under the CDM. Therefore, the Article 6 mechanism, including ITMOs, provide Africa really with an opportunity to enhance access to both market and non-market mechanisms. We believe that with the study that we are launching today, we are going to enhance this access in Africa, building really on experience that African countries have already gotten in the past. By establishing institutional mechanisms for the CDM market. So these arrangements are going to be used also for the new mechanisms that are being discussed right now at COP26 under the Article 6. I am going to also mention that the four countries that we have selected for these initiatives are all in West Africa, both Francophone and Anglophone West Africa. But our objective is really to make sure that we replicate these pilot experience in other parts of the continent. So it's just a pilot experience, and we are going to assess it. And the focus is more on energy efficiency projects. As you know, also this is an area where Africa is yet to make a lot of effort. And we are by applying that pilot in West Africa, we are going to learn a lot in order to make sure that we replicate the experience in other parts of the continent. So with these words, I want really to launch the report that was the scoping analysis that was carried out by the bank. And I'm going to ask maybe the expert to present it in detail so that everybody is aware of the study that we carried out on the Article 6. Thank you very much. Great, thank you very much indeed, Alhamdu. So you can see, ladies and gentlemen, the copies, front cover of the report, and you'll see we have presented it in both English and French. It is translated and available, of course, and I'm not going to try to read the title. Because I'm anglophone, but of course, access to climate finance for francophone countries is also critical. And we know that francophone countries did not fare well and continue to struggle with access to climate finance because most of the climate finance is in English. So we're very proud to get the presented in French. Vous pouvez mettre Google ITMO préparation et vous allez trouver. Il y a aussi un code QR au bout de la salle, vous pouvez le scanner et cela vous mènera aux ressources qu'on a. Merci beaucoup au vice-président et je sais que vous avez une autre réunion, alors je vous remercie. Merci beaucoup de votre introduction et maintenant je passe la parole à Sandra Bryan qui nous présente le contenu technique du rapport.
Alors, à vous, Sandra. Alors, bon, peut-être vous présenter un peu, parce que je ne vous ai pas demandé une bio. Et puis, si vous voulez bien nous donner cette présentation technique. Can we get the microphone working? Better? Yeah. Yes. Good. Now it's working. Very good. Thank you very much, Merci Gareth, beaucoup, also for Gareth, the invitation. De l'invitation. Oh. Good morning, good afternoon. Bonjour à tout le monde. Pleasure to present to you the work that has been carried out. Très heureuse de vous présenter le travail qui a été So my name is Sandra Gainer. Je travaille pour Climate Focus, c'est un membre du consortium qui ont travaillé sur l'étude et effectivement. Je représente un groupe plus grand d'entreprises de consultation. Triple E, Nigeria, so it's my pleasure to give you a quick Gem overview Aera of what has been done so far. Donc, I should perhaps also say that here in the negotiations I'm affiliated with the Gambia, je suis affiliée au Gambia comme équipe qui suit les négociations de l'article 6 et aussi du groupe de travail de l'Alliance de l'Ouest de l'Afrique sur les marchés, donc marchés de carbone et leur financement. Alors cela aussi me concerne et je pourrais en parler par la suite. Alors, d'abord, un aperçu assez général du projet, deux parties. La première, c'est de produire une évaluation qu'on a déjà vue dans le tout à l'heure. And next to that, there is a focus et aussi, une concentration sur l'identification d'opportunités pour les transactions de DITMO pour les quatre pays pilotes et ensuite de produire des rapports là-dessus. Efficacité énergétique, ce sont là les opportunités qu'on vise. C'est un projet qui a duré 9 mois, qui a été conclu en juillet de cette année. Mais en même temps, c'est la première fois que je vous en parle. On est tout au début, c'est la première phase. Je peux of project opportunities might translate into the next round of support, and for example, preparing now actual mitigation activity development documents or MADS, which is one of the common abbreviations that is being used at the moment, and to see if there are any potential buyers for the ITMOS, for the internationally transferred mitigation outcomes. And as you all know, of course, even at this moment, Article 6 is being still negotiated. En ce moment, comme vous savez bien, we are very much hoping for a successful outcome here. On espère que les négociations débouchent à quelque chose de très positif et demand. Encore de demandes pour les ITMO qui sortent en ce moment. So let me donc, say a few words. You'd like to stand up and walk around. You can, it might be easier to see the screen. Yeah, yeah. That's true. I've actually not memorized all my slides. Quelques paroles. Useful for me to see it. Comme je n'ai pas mémorisé ce qu'il y a sur le PowerPoint, c'est mieux de me mettre debout. Alors, quelques mots pour dire pourquoi l'étude s'est concentrée sur l'efficacité énergétique.
It's a bit tricky. Le micro est un peu balbutiant, pour ainsi dire. So, energy efficiency projects des projets d'efficacité énergétique hasn't always been picked up readily, so it's a bit of a complicated area. Ces projets n'ont pas toujours été très populaires. Il y a beaucoup de potentiel ici. In the study, we are estimating et dans cette évaluation, on pense que dans les 2000 mégawatts de génération de potence, puissance, pourraient être libérés. Donc, il y a beaucoup de potentiel pour réduire les émissions. On a vu aussi que les pays de l'Afrique de l'Ouest ont fait beaucoup de progrès dans l'adoption des politiques de l'efficacité énergétique, étiquetage, par exemple, ce qui nous pourvoit une très bonne base pour le travail qu'on va poursuivre. I think it's on. Give it a whack and then. Yeah. All right. Très bien. Beaucoup de pays ont développé des plans d'action pour l'efficacité énergétique dans l'Afrique de l'Ouest. Là, vous avez quelques exemples. Beaucoup de pays de mentionner. On a aussi des normes minimum de performance énergétique pour air conditionné, réfrigérateur, etc. Beaucoup de pays ont développé des évaluations de besoins en technologie. Et finalement, le Centre régional pour l'énergie renouvelable a développé une politique régionale. Donc, tout cela nous pose des bases très fortes pour la mise en œuvre de l'efficacité énergétique dans la région. Il est toujours vrai qu'il existe beaucoup de barrières toujours. Par exemple, tous les pays ont adopté des politiques régionales sur les gigawatts, mais la mise en œuvre est moins extensive parce qu'ils prioritisent when it comes to implementing projects related to the legal and institutional framework. Donc le cadre légal institutionnel n'a pas été mis en œuvre, il n'y a pas assez de capacité pour le mettre en œuvre, une mauvaise sensibilisation aux bénéfices de cette approche et une absence d'instruments financiers pour incentiviser ces approches. Donc nous, on a essayé de me comprendre ces barrières et de voir si à travers l'article 6 on pourrait débloquer des financements pour mettre en œuvre des projets réels sur le terrain. Quand on parle de technologies liées à l'efficacité énergétique, bon, ici vous avez une liste
dans les contributions nationalement déterminées et aussi dans les plans d'action de chaque pays. Donc, technologies, les pertes de distribution au moment de la transmission, les lampes, etc., lampadaires qui ne sont pas efficaces, les étiquetages, par exemple, pour les réfrigérateurs, des systèmes de ventilation, des bâtiments efficaces, plus générales, et aussi des mesures dans l'industrie, parmi les PME, par exemple, l'industrie textile, par exemple, beaucoup de pays voudraient bien améliorer la dissémination de fours pour les maisons, et aussi avoir un transport efficace, comme par exemple des véhicules à basse consommation, transport de masse, etc. Donc, ce qu'on a fait au moment de l'évaluation, c'est de considérer autant la préparation à l'article 6 de la plupart des pays africains et aussi le potentiel de chaque pays pour identifier quatre pays pilotes et leur potentiel, par exemple l'efficacité au niveau de la maison, quel est l'état actuellement de ces plans des pays, quelle est l'expérience du marché de carbone, des marchés de carbone volontaires aussi, et plus général le rôle de l'article 6 dans l'atteignement des contributions nationalement déterminées et puis finalement des bases dans l'infrastructure MRV au niveau du pays et le potentiel de l'efficacité énergétique qu'on a considéré, les défis qu'on a déjà vus plus haut et aussi quel est l'état des activités actuelles avant de mettre en œuvre les projets. Et aussi, il faut assurer qu'il y a un équilibre entre les pays anglophones et francophones, une intégration de genre, etc. Briefly, just like to introduce the four project concept notes that were identified, and I think it was mentioned already earlier that the four countries that for which PCNs were prepared are Cote d'Ivoire, Benin, Ghana, and Nigeria. And what I want to do is just very briefly go through these. I won't go into the details of each slide, but so just that you have an understanding of what the technologies are that are being or have been elaborated for each country. The first country is Ghana, and you see here that we looked at the NDC target a bit more, including how the energy sector is taken up, and then looked at Article 6 readiness in general in our study. And the activity that was selected is promotion of energy efficient and renewable energy powered public water facilities. And basically to upgrade and expand the public water provision through energy efficiency measures and renewable technologies. So that's the first project that has been selected. And just to say that in the process, we interacted with the country focal points,
particularly also those that are in charge of energy efficiency, so these ministries, to exchange the information and then get a good understanding. The second project opportunity is in Benin, household energy efficiency and management support project. And here, basically, it has three components: the promotion of low-consumption lamps, of efficient refrigerators and air conditioner, and thirdly, the promotion of improved cook stoves. Then the third selected project is in Côte d'Ivoire, and here the technology is implementation of energy efficiency measures and utilization of clean fuels in the cotton and textile production value chain. So this is within the industrial sector, energy efficiency measures. And then the last one is in Nigeria, where a project was selected that concerns transmission and distribution energy efficiency in the Lagos region. So what you can also see is that these four selected candidates are actually very different and in nature and in the technologies that are being chosen. And that's it from my side. Thank you very much indeed, Sandra, for taking us through the presentation. Before we move on to the next part, where I'm going to ask some of the country representatives to come and take the seats and talk in a little bit more detail about the studies in their countries, I would like to open the floor to any questions. I don't know if we have anybody online who wants to ask any questions or what the facility for doing that is. I don't see... Sonia's there. She's shaking her head, I think. So if there's any questions from in the room... for Sandra, before we move on to the next stage, I might just ask Sandra about the stakeholder consultation how did you feel that went? Was there a high level of awareness around the concept of ITMOS, or were you already having to do a lot of education and awareness raising to get the different countries and focal points involved? Yeah, so I would say that on the level of the focal points who are dealing with Article 6 in the country, there's a great level of awareness, not least through the West African Alliance on Carbon Markets and Climate Finance, in which all these countries are members. And then when it comes to those government officials working then in the sectors, of course, there's less awareness at the moment, but it was very helpful that we had the Article 6 knowledgeable persons, often from the Ministry of Environment, to be there to help also educate and to have a broader discussion. Mm-hmm. Good, good. So a question from Wayne in the audience. Try that one, Wayne. Speak up into it. Senator, we were part of the consortium that was advising on these projects, Global Environmental Markets. We are considering that exchanger can execute the trading. So my question really is about funding these groups. We've got credit. It's not a big cost. They seem to be hesitant to invest in technology. But even there, there's a challenge getting funding for the registry itself. So my question really is this. I mean, we've been trying to work with AFDB for a while, and we've part of that consortium, as I said, consulting to these projects you were just talking about, reviewed all of those documents some time ago. My question is really, is there some way we can escalate the funding process so we don't end up in the same program that the program for market readiness with
World Bank, you know, was 8 years for before préparation donc à ces projets parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre d'autres pays, par exemple le Pérou, c'est quelque chose qui existe et nous avons fait un financement de $55,000 par exemple pour ce projet. Et donc est-ce qu'on pourrait refaire la même chose pour certains pays d'Afrique? Il y a beaucoup de personnes ont parlé donc de ce problème de financement. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour augmenter donc les capacités de financement pour ce type de projet? Oui, merci. Merci, cela, je suis très heureuse de faire votre connaissance, oui. Oui, je ne suis peut-être pas la personne la plus adéquate pour répondre à votre question. Et pour moi, de par mes origines, je dis ceci évidemment, je crois que en fait c'est une coopération entre d'un côté les gouvernements, qui sont les bénéficiaires évidemment de ce type de projet, et les gouvernements doivent exprimer leurs besoins en la matière. Et ils doivent aussi pouvoir compter sur l'aide de partenaires de développement, le cas échéant. L'intervenant n'a pas de micro qui fonctionne. Oui, je crois que la Banque africaine de développement va s'impliquer davantage dans le financement. Et je pense que nous l'avons entendu dans son vice-président, et nous savons qu'ils ont l'intention donc d'augmenter leur système de financement, surtout dans les vues l'efficacité du mécanisme de développement propre. Et ceci évidemment dépend d'un environnement, et nous voulons créer l'environnement propice pour attirer les fonds et le financement nécessaire. Donc ceci est essentiel, et j'espère que nous allons pouvoir faire donc des grands pas grâce à l'article 6, donc pour la mise en œuvre donc de ces projets, et que nous allons donc pouvoir ainsi augmenter la participation des pays donateurs et pouvoir répliquer ce qui se fait dans ces quatre pays à d'autres pays. Ceci étant dit, je vais passer maintenant au deuxième panel. Je ne sais pas qui sont mes panélistes, les membres du panel. Je sais que Rachel est ici de Côte d'Ivoire, est là. Rachel Botti est là également. Et puis Daniel est également là aussi. Et puis Sandra, nous allons remercier Sandra de sa présentation. Et je vais demander donc maintenant aux représentants des quatre pays que nous avons mentionnés de bien vouloir me rejoindre sur la tribune. Donc c'est Rachel, Daniel, Asmo et Wilfred. Et Robin, vous voulez venir également? Est-ce que Ngozi est en ligne? Ngozi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Oui, on vous voit très bien, mais on ne vous entend pas malheureusement. Oui, maintenant je vous entends. Oui, c'est très bien. Ok, super. Alors c'est très bien parce que je ne voulais pas vous laisser de côté, évidemment. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'entendre chacun des membres de ce panel. Et ils vont nous parler de l'état de préparation donc, de ces activités dans le cadre de l'ICMO, donc dans votre pays, les consultations notamment. Vous allez donc parler de ces notes de concept, la mise en œuvre dans le pays. Et je pense que nous allons donc entendre des sons de cloche différents selon les pays. Je vais commencer par Daniel qui est à l'extrémité de la scène. Daniel nous vient du Ghana. Il va donc parler de l'état d'avancement donc au Ghana. Merci, chers collègues. I think the
Je crois que l'orateur précédent a couvert tout ce que je souhaitais dire, en fait, sur le Ghana et sur le projet. Moi, j'attends évidemment les prochaines étapes, les étapes à venir, avec beaucoup d'anticipation. Mais je crois qu'il faut déjà penser à la mise en œuvre maintenant. Le concept, c'est important, évidemment, mais après le concept, il faut pouvoir le mettre en œuvre. Et c'est ce que j'attends. Je suis aussi intéressé parce que on vient de dire en termes d'infrastructure aussi. Mais je vais revenir sur ce point par la suite, dans le cas de la discussion sur l'article 6. Au Ghana, nous voulons animer la discussion sur l'article 6, surtout en le voyant d'un point de vue politique. Donc, nous pensons que nous voulons vraiment aller de l'avant sur le plan de la politique d'abord pour la mise en œuvre. Le Ghana, avec son mise en marché, essaye de créer, grâce à l'article 6, des emplois sains et des emplois verts. Donc, c'est notre principal objectif. Donc, nous sommes vraiment préoccupés par cela et nous voulons que notre gouvernement établisse ainsi une infrastructure qui nous permet d'atteindre cet objectif. Donc, ça, c'est ce que nous sommes en train de faire pour l'instant. Quite a lot of attention et pour ce faire, to reflect all these ideas nous avons une bonne discussion avec les NDC, où on ne parle pas uniquement des contributions et des objectifs pour le pays, mais on essaye d'aller plus en avant, on essaye de voir, d'avoir une perception de ce que l'on peut faire dans le cadre d'une politique beaucoup plus vaste pour notre gouvernement. Donc, en fait, l'article 6 n'est qu'une partie de notre politique plus vaste. Ceci, d'un côté. D'autre part, nous voulons ne pas rester au niveau du pilote. Et donc, évidemment, nous avons été très satisfaits d'avoir été choisis en tant que pays pilote. Mais nous savons que il y a d'autres pays également qui étaient consultés. Et nous voulons pouvoir ainsi répliquer ce que nous avons fait dans d'autres pays. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pour l'instant 4 programmes qui sont développés. Nous discutons également avec d'autres pays, notamment la Suède. En termes d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Ensuite, nous parlons aussi avec Singapour. Pour nous, l'expérience en tant que pays pilote est cruciale. Et cela nous permet donc de voir à quoi ressemble l'article 6 sur le terrain. Donc, nous avons fait un travail énorme de documentation de tout ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet pilote. Et nous faisons preuve de beaucoup de prudence, évidemment, nous ne voulons pas aller trop vite, surtout en termes d'infrastructure, mais nous espérons que nous n'allons pas non plus attendre à l'infini avant d'agir. Et je voudrais faire un dernier commentaire concernant les infrastructures. Nous pensons en effet que c'est un élément essentiel du processus général. Mais il ne faut pas que l'infrastructure soit trop complexe et trop compliquée. Donc on peut commencer petit. Et notamment, nous ne voulons pas attendre que toute la grande infrastructure soit prête à être lancée pour agir. Non, nous voulons commencer petit, comme je vous le disais, donc, et nous assurer ensuite que les choses vont
se faire de manière responsable en fonction des besoins du pays. Ensuite, nous allons faire passer le processus à la phase suivante. Et donc, si le gouvernement n'est pas capable d'avoir le financement adéquat pour soutenir ces infrastructures, eh bien, il faut commencer au moins par une petite étape, par une petite action, et ensuite la développer, aller plus loin. Donc c'est ce que je dis à mon équipe, nous voulons simplifier les choses, nous voulons travailler avec les open sources ouvertes, notamment les open source, et travailler ensuite avec des outils qui sont disponibles aujourd'hui et qui nous permettent ainsi de mettre en œuvre l'article 6 au Ghana. Merci. Oui, j'ai noté donc les points principaux, donc les projets agressifs, et commencer également par l'importance du financement, notamment en matière de l'infrastructure. Je reviendrai sur ce point par la suite, si vous le permettez, lors de la discussion. Merci. Maintenant, Rachel Botidoya, qui nous vient de Côte d'Ivoire, et j'ai donc une diapositive pour vous aider, Rachel. Oui. Merci pour cette invitation également. Je m'appelle Rachel. Je viens du ministère du gouvernement de développement de la Côte d'Ivoire. Je travaille au ministère du développement déjà depuis 20 ans. Je travaille sur les mécanismes du marché ouvert et notamment sur la mise en œuvre de l'article 6. En ce qui concerne le rapport que nous avons entendu de la bouche de Sandra, je voudrais dire qu'il faudrait peut-être faire une petite mise à jour dans le cas de la Côte d'Ivoire. Lorsque nous parlons de NDC, nous avons dit que nous allons perdre des parties de marché. Et nous avons aujourd'hui une nouvelle version de ces contributions déterminées au niveau national de CNDC. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est de voir comment mettre en œuvre l'article 6. Je dirais que ce que nous avons fait, c'est considérer l'article 6 dans son ensemble, avoir une approche également basée sur la coopération, parce que nous travaillons avec comme objectif la réduction des émissions, évidemment. Et aussi l'article 6 pour nous est important sur le plan des mécanismes du marché. Et donc, nous travaillons, nous voyons là l'occasion pour mettre en œuvre l'article 6 sous l'angle des marchés. Nous avons pour cela plusieurs programmes de développement. Et évidemment, la chute des prix du carbone sur le marché international est également une préoccupation, donc est un élément que nous devons considérer. Donc, parlons beaucoup des marchés nationaux du carbone et nous avons donc déterminé un prix pour le carbone et donc nous avons pu faire des échanges sur le marché du carbone. Donc, pour nous, dans le cadre de cet article 6 et du mécanisme mis en place, nous voulons évidemment mettre l'accent aussi sur les ITOM, donc la mitigation des transférés internationalement. Et nous devons toujours équilibrer nos objectifs, nos engagements et les besoins de procéder à ces échanges au niveau international, donc sans oublier évidemment le besoin de la réduction du carbone et le besoin de davantage d'investissement. Donc c'est un équilibre assez délicat et donc nous travaillons beaucoup sur les résultats de la mitigation et ceci, nous l'espérons, nous permettra d'atteindre nos objectifs. Donc c'est important pour nous d'atteindre cet objectif, cet équilibre.
Donc nous nous concentrons sur les différents secteurs maintenant, pas uniquement ceux qui nous ont été assignés dans la phase pilote, et nous voulons avoir un objectif conditionnel qui nous permettra d'avoir davantage de ressources de pays, donc de l'étranger, donc notre pays. Nous savons que notre gouvernement n'a pas aujourd'hui les ressources nécessaires pour investir dans ce type de projet, donc nous avons besoin de sources de financement extérieures. Et c'est donc quelque chose d'important, ce financement extérieur, pour financer donc d'autres activités, et donc nous avons besoin pour améliorer donc les résultats de la mitigation. Nous attendons donc avec beaucoup d'anxiété la conclusion de la discussion sur l'article 6. Comme je vous l'ai dit, nous avons travaillé beaucoup sur les CDM, donc sur les MDP, les mécanismes de développement propre. Et l'article 6, pour nous, doit être en place avant de pouvoir aller de l'avant. Et notamment de sa mise en œuvre sur le terrain dans mon pays. Ici à Glasgow, j'espère que nous allons pouvoir faire encore un pas en avant, qu'on va mettre une signature en bas du document de l'article 6. Et pour l'instant, en tout cas, en tant que représentant des CDM, donc des MDP, nous sommes en train de faire des préparations pour la mise en œuvre de l'article 6. Et donc, en juillet dernier, nous avons eu un atelier pour la transition de MDP sur l'article 6. Et c'est un atelier, une discussion qui a vraiment été très, très utile, parce qu'elle a permis de sensibiliser les différents acteurs qui veulent tous voir comment le régime qui a changé va les influencer. Et nous voulons voir comment aller de l'avant. Nous avons commencé par les MDP, donc les mécanismes de développement propre. Et dans le cadre de ce type d'atelier, nous avons donc sensibilisé les différents acteurs. Comme je l'ai dit précédemment, nous souhaitons également considérer l'article 6 dans son ensemble, 6.2, 6.4 et le 6.8 également, qui sont importants pour la Banque africaine de développement qui nous soutient, et surtout dans l'article 6.8. qui est important pour à cet égard les ABM. Donc nous allons commencer un projet pilote et nous attendons les résultats de ce projet pilote pour montrer à tous que c'est quelque chose qui fonctionne, qui marche vraiment bien et que l'on peut ainsi répliquer pour d'autres pays. Voilà l'essentiel de mes remarques. Et je voulais aussi vous dire, en termes de réglementation de l'ITMO, là, nous avons commencé avec le projet Red Plus. C'est un projet qui parle déjà de différentes transactions dans le cadre de l'ITMO. Donc pour nous, c'est important. Ce projet RED Plus est important. Nous ne voulons pas nous concentrer uniquement sur un secteur, comme par exemple la foresterie, mais nous voulons travailler sur différents secteurs. La foresterie serait un premier secteur et nous voulons avoir une approche beaucoup plus globale donc, pour pouvoir mettre en œuvre l'article 6. Merci. To recognize the just trading mitigation outcomes may not achieve your commitments. I think this is a critical point, and I mean for those of us here in this room, I hope we understand the difference
between the Paris Agreement and the Kyoto Protocol. But for our stakeholders, for the private sector, actually that's not such an easy thing to understand. Under the Kyoto Protocol, you know, with no commitments, so these certified emission reductions could be given away and traded and so on. But under the Paris Agreement, every country has their commitments, and so you have to start taking account for this. And I think it's very interesting to have you sitting next to Ghana, where we have an aggressive program to pilot Article 6 and sign MOUs, and you're wanting to sit and wait to see how the negotiations come out. And it's great that we're, you know, we see this diversity of approach, and we're able to come together and sort of share lessons. And thank you very much for promoting Article 6.8 and the adaptation benefits mechanism. That's not the topic of our discussion today, but we're going to talk about tomorrow afternoon in the MDB pavilion. So let's move now to our third country, Wavi from Benin. A pleasure to meet you. Thank you very much for coming at the last minute. Great to have you here. The floor is yours. Thank you. Thank you so much. First of all, I would like to thank Sandra for this study. Is it working? Give it a... Yeah. Yeah. So, first of all, I would like to thank Sandra for all of the team for making this assessment on the scoping on ITMO, how we can use ITMO to move forward in the Article 6, even if we don't have yet the final decision on Article 6. This study is very relevant for our country, because as you may know, in the past, our country did not benefit from the CDM mechanism. So Article 6 of the Paris Agreement is a new area that we can use to reduce the greenhouse gas in our country and achieve the Paris Agreement goal. And also, as you know, IPCC warned out many countries that the temperature of, the global warming is increasing. So we have to do something to balance and to reduce the temperature in order to make it a good planet for all. Yes, the study is very relevant for Benin, and I would like to say a lot, but right now I haven't received any power to speak on behalf of Benin. But I'm here as Beninese. I can say something about the study because I was involved in the process. But now I cannot talk on behalf of Benin, because normally the national focal point should be here. But he's busy, is why he's not here. But it's what I can say right now about the study. And I know that all of that is mentioned clearly, in our NDC. So this project, this study can help us to look for a new project, to look for the funding, because right now we have a study, but we need fund to implement the concept note. So we can talk more after, maybe when our national focal point will be there, because I'm part of Benin delegation and I don't receive any power, so I have a lot to say, but I would like to leave here and thank you so much for this study in our country, and I think we look forward to work with all of you in order to move forward. Thank you. Great. Thank you very much. Thank you very much, Wavi, for coming. And so we understand, appreciate that you're not sort of formally appointed to speak on this. But I think it's very interesting to hear that Benin didn't benefit from the Clean Development Mechanism. You see the opportunity now to learn about this mechanism
about the opportunities for ITMOs and to find a way to talk about particularly how we're going to move forward to finance these activities. And we'll come to that point after our next and final intervention from Ngozi, who's been waiting patiently online, demonstrating that we can bring Zoom and Meet and Teams to the COP. And all participate virtually as well as together. So Ngozi, great to have you on the call. Thank you very much. I know you also stepped in at the last minute because we couldn't get formal invitation prepared to send to Nigeria. Yesterday it was a holiday in Cote d'Ivoire, it turned out, so we couldn't get the letter signed to send to the ministry. So we've asked Ngozi from Tripoli, our consulting company in Nigeria, to step in and make a short presentation about the interaction and the activities in Nigeria. So, Ngozi, over to you. Thank you, Gareth. Can you hear me? Yes, we can hear you well. Okay. Good morning, good afternoon, ladies and gentlemen. As Gareth has mentioned, I'm with Triple E, the consultant that developed this project concept notes and the project scoping report for these ITMO pilot projects for West African countries. So I am not representing the national focal person for Nigeria, so I am just going to present the summary of the project concept note for Nigeria and also make some comments on the country's readiness for Article 6 and 8 more implementation. So in selecting the pilot project for Nigeria, this project is on improving the efficiency, the energy efficiency, and the Nigerian transmission and distribution system. So we considered that there is huge potential for emission reduction in the country's energy sector. According to the updated NDC that was recently submitted by Nigeria, the energy sector contributed 60% of total national emissions for the country. So energy efficiency is one of the core strategies in meeting Nigeria's NDC commitment. And of course, reduction of transmission and distribution losses has been identified as one of the mitigation measures for the country to meet its NDC goals. So there are two components of this project. The first is replacing and retrofitting old and inefficient transmission and distribution transformers to achieve up to 45% reduction in technical losses. Okay. And to yield the emission reduction of up to 815,000 tons of CO2 equivalent for only this pilot project. Like when we look at the entire transmission and distribution system across the country, there is a potential to achieve a cumulative 15.2 million tons of CO2 equivalent reduction in emission by improving the energy efficiency in our distribution and transmission system. So the second part of this project is to implement measures to reduce the emissions of sulfur hexafluoride from circuit breakers within the network. So on the use of market-based mechanisms and we could say from our study that Nigeria is interested to make use of carbon markets to achieve the NDC targets. And there is also plans to develop a national strategy for implementing Il y a aussi une stratégie nationale pour la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris. La Nigérie a 12 projets toutes sortes de projets. Donc, on a une expérience qui nous permet de mettre en œuvre ce type de projet à grande échelle. Bien sûr, ce sont des expériences CDM.
où il faut avoir un cadre légal institutionnel pour la mise en œuvre de l'article 6 au sein du pays, pour améliorer notre participation, notre préparation pour la participation à l'article 6. Le département de changement climatique du pays a étudié les activités organisées par l'Alliance de l'Afrique de l'Ouest. On appuie les pays de l'Afrique de l'Ouest pour augmenter leur capacité et de développer des systèmes MRV. Donc, Nigeria a bénéficié de ces activités de renforcement de capacité, les ateliers organisés par WAC. Donc, le pays est en train de développer un registre à niveau national pour la mise en œuvre de l'article 6. Le MRV est très jeune, on est aux prémices. En ce moment, on n'a pas des projets pilotes, article 6, mais sous l'article 6,4, il y a quelques projets sur l'accès à l'énergie et l'adaptation au risque d'inondation. Donc, généralement, la préparation de Nigeria pour mettre en œuvre l'article 6 est grosso modo modéré. Il y a des défis qui se posent à nous. L'Alliance de l'Afrique de l'Ouest nous aide à jeter des ponts pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, mais là, on va travailler pour assurer une mise en œuvre adéquate de l'article 6. Donc, cette étude et d'autres études nous aideront à faire participer le secteur privé pour qu'on fasse des progrès dans la mise en œuvre de l'article. Based on this, the other thing I can say that we are still trying to develop is on essaie de développer l'intégration du genre. There is really la visibilisation de la femme. Donc, dans les discussions sur le climat, sur l'efficacité énergétique, l'intégration du genre partout dans tous ces défis. Merci beaucoup. Merci, Ngozi. Il est bien d'avoir une description tentative, bien sûr, et de voir les défis où les problèmes peuvent se soulever, parce que la transmission, c'est quelque chose de très important, très intéressant, parce que c'est un problème un peu partout. Et là, on peut épargner beaucoup d'énergie en ce qui concerne la réduction des émissions de carbone. Donc, et aussi, il y a la possibilité d'accroître les revenus pour les entreprises d'énergie. Vous avez aussi mentionné la réduction des SF6, qui est très important comme gaz d'émission qu'on trouve dans les transformateurs. Il y a aussi des pétroles, des autres produits, substances chimiques qui affectent la chaîne alimentaire,
qui affectent les prédateurs. Donc ce sont des substances chimiques très importantes, très nocives. Il est très bien qu'on puisse les éliminer comme résultat de nous attaquer au problème des transformateurs. Aussi, de mon propre expérience, quand j'ai commencé dans les années 1900, les gaz de réchauffement climatique, à ce moment-là, on a dû apprendre énormément sur leur impact et sur comment les évaluer, les étudier, les analyser. Et cette expérience a été beaucoup appréciée par les pays africains, la sensibilisation, mais en même temps, vous avez mentionné une absence ou une insuffisance de capacité technique. Donc, les résultats de l'Alliance de l'Afrique de l'Ouest ont beaucoup aidé dans cette matière. S'il y a quelqu'un ici qui voudrait poser une question, sinon j'ai des questions. Ah, là il y a quelqu'un, Lucie, s'il vous plaît, prenez un micro. Ah, le micro ne fonctionne pas, il faut donner un coup sec. To participate in this event. I was curious, je voulais savoir comment vous allez organiser au niveau institutionnel la mise en œuvre de l'article 6, étant donné que l'article 6 est toujours sous discussion, il n'y a pas d'accord. Donc, comment mettre en œuvre l'article 6, donner ces conditions. Sous le protocole Kyoto, j'aimerais savoir quel est le rôle des pays hôtes. J'aimerais répondre à cette question, Daniel. Thank you very much for the question. Merci beaucoup de la question pour la question. As I said earlier, comme j'ai déjà dit, au Ghana, a 40-year package, right? The other one on is a quelque chose sur 4 ans. Under that, un projet sur 4 ans. We have a program to transform et on a un programme pour transformer l'infrastructure CDM existante dans un bureau de l'article 6 qui va être une extension des mandats du bureau CDM existant. Donc, le bureau CDM qu'on a déjà s'étendre à accueillir trois subunités pour appuyer le travail du bureau article 6 plus un comité externe et aussi un comité technique qui est semblable au comité technique qu'on a déjà. Voici notre projet, mais pour l'instant, c'est un peu ad hoc. On a un comité qui appuie l'approbation des programmes pilotes de l'article 6. Ce comité et leur mandat vont former partie du bureau de l'article 6, peut-être au début de l'année prochaine. Voici notre proposition commerciale, pour ainsi dire. Donc, il faut le financer.
et il faut avoir un code de conduite aussi pour le bureau, mais le modèle reflète ce qu'on a déjà globalement à un niveau national. Donc, les mêmes fonctions, grosso modo, gestion de registre, appui à l'émission des lettres d'invitation, etc., etc. Merci beaucoup, ça c'est très intéressant parce que sous le mécanisme de bénéfice, nous aussi on a mis sur pied une structure semblable et on a essayé à nous adresser de plusieurs des problèmes qui nous sont posés jusqu'à maintenant. Donc, on va améliorer, on a appris des leçons et on peut apprendre des leçons de vous aussi. Merci beaucoup. Oh, OK, please, yeah. You want to answer or you want to exit? You exit, OK. Daniel, thank you very much indeed for merci beaucoup, Daniel. Je vous remercie d'avoir participé à ce colloque et on vous souhaite bonne chance dans les négociations. Allez, au revoir. Yes, thank you. Merci. Thank you, Lucie, for your, merci. For your question. But I think I've somehow votre answered question. Your question. Je crois que my intervention. J'ai déjà répondu à votre question. En disant qu'on est très prudent en ce qui concerne à la prise de décision immédiate. On ne va pas prendre les décisions tout de suite parce que on attend la conclusion de la négociation. Sur l'article 6, parce que le texte légal, par exemple, il serait difficile de le changer, de le modifier après. C'est pour cela qu'il faut être prudent, qu'il faut attendre la fin des négociations. Mais on sait bien, grosso modo, comment on veut procéder, parce qu'on sait comment on gère le CDM, donc on veut nous baser sur les acquis du CDM. On a des codes de conduite, on a des règles, on sait où commencer. Mais je crois que la décision sur l'article 6 va nous aider, va nous clarifier et permettre de décider la route précise qu'on va prendre. Donc, on n'est pas contre un partage des expériences, de voir ce que font nos voisins de Ghana, qui a fait beaucoup de progrès, de Sénégal, par exemple. On veut aussi explorer ce que font les autres. On ne va pas commencer des zéros. On va apprendre d'autres et baser sur nos expériences acquises. Une question pour tout le monde ici présent. Une demande dite mot se lève de Suisse, de Suède, des pays comme ça. Vous croyez qu'il y aura un intérêt par d'autres acteurs, d'autres institutions, ou seulement les ITMO vont se commercialiser entre gouvernements? Yes, Gareth. Oui, je vous donne la parole, Chéria, oui. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le changement climatique et les émissions de la part d'un grand nombre d'organisations nigériennes. Et surtout, leur objectif, c'est d'atteindre leur objectif interne. C'est la raison pour laquelle on parle beaucoup de commercialisation et d'échange de carbone, avec la réduction donc, qui nous vient du marché du carbone.
Donc ça, c'est important de tenir compte du marché local, national. Donc la consommation est importante au niveau national. Et cela, donc, cela nous permet aussi donc, d'avoir un impact au niveau national. Donc. Oui, je ne sais pas. En Côte d'Ivoire, je pense que nous avons beaucoup de facteurs qui interviennent dans ce processus. Parce que nous avons un objectif et évidemment nous voulons atteindre cet objectif. C'est la raison pour laquelle nous utilisons donc ce marché commercial. Donc on a vraiment envie d'atteindre cet objectif. Et les choses ne sont pas très très claires. Et nous prenons des décisions. Est-ce que nous allons travailler à l'intérieur ou en dehors des NDC, donc des contributions développées nationalement? Donc je crois qu'on a besoin d'un peu plus de clarté pour répondre à cette question. Je reprends, redis que nous avons notre objectif et nous voulons faire l'impossible pour atteindre cet objectif. Nous avons besoin de directives claires pour voir comment accéder à ce marché international. Donc c'est quelque chose que l'article 6 peut nous donner. Oui, Bénin maintenant. Micro. Merci. Je voudrais aussi répondre à votre question. Nous le savez, nous voulons utiliser l'article 6 de l'accord de Paris comme un instrument. Pour nous, l'article 6.2, 6.4 et 6.8 sont particulièrement importants. Si vous vous souvenez de la position du groupe africain lors de ces discussions, vous vous souviendrez que nous aurons notre part de ce qui sera accordé sous l'article 6.4 et la raison pour laquelle lors des négociations de l'article 6 dans son ensemble, il y a un manque en fait de coordination, d'un point commun entre les différents pays quant à la manière dont on va utiliser donc les bénéfices donnés par le 6.2. Donc si pour nous, nous ne nous concentrons que sur le 6.4 comme outil d'adaptation, là il y a encore beaucoup de choses à faire. On doit augmenter le financement pour cette adaptation. Et comme vous l'avez dit précédemment, les mécanismes d'adaptation sont importants. Et on doit donc, pour cela, pouvoir compter sur un financement. Donc, nous savons que le 6.4 est déjà utilisé aujourd'hui comme un mécanisme d'aide. Et donc, on doit utiliser l'ensemble de l'article 6, pas uniquement le 6.4, mais l'ensemble de l'article 6 pour atteindre notre objectif, qui est donc de mettre en œuvre cet article. Donc, utilisons l'ensemble de l'article 6 et non pas uniquement des parties, des alinéas, pour atteindre nos objectifs et répondre ainsi à nos ambitions. Oui, merci. Je crois que nous arrivons à la fin de notre discussion. Les étapes suivantes, je pense que je vais aussi faire quelques mots de clôture. Mais ce qui nous attend maintenant, les prochaines étapes, c'est la préparation. Nous avons donc un projet
à la Banque africaine de développement. Et nous avons déjà préparé une proposition pour frapper la porte du fonds du secteur du privé, donc pour l'Afrique. Et nous allons frapper la porte de ce fonds pour le secteur privé qui nous permettra ainsi donc d'intégrer davantage le secteur privé dans toutes les activités à développer en Afrique. Et bien évidemment, ceci aux côtés de la Banque africaine de développement. Nous allons avoir donc des financements supplémentaires que nous allons utiliser donc pour lancer davantage de projets, notamment pour atteindre ainsi donc ces objectifs et permettre aux différents gouvernements d'atteindre leurs propres objectifs. Donc ceci est important pour l'ABAD et nous avons besoin donc aussi de l'implication du secteur privé pour atteindre ces objectifs et pour ainsi répondre aux besoins de chacun, donc pour faire face aussi au changement climatique. Mais nous anticipons déjà les ressources que nous allons obtenir. Et une de ces options, c'est le fonds énergétique pour l'Afrique, qui va être un fonds qui permettra donc d'octroyer des fonds, donc un financement particulier, et donc ceci pour créer des registres, et donc nous serons remboursés par les bénéfices qui procéderont de ces fonds et de ces registres. Donc c'est une proposition qui a été faite maintenant, nous attendons l'approbation et nous espérons déjà dès l'année prochaine pouvoir faire une mobilisation de ces fonds. Mais le temps est crucial, nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition, nous ne pouvons pas attendre, nous devons être actifs, mais comme vous le savez, impliquer le secteur privé prend du temps, évidemment, nous avons quelques mois pour cela, le secteur privé a bien compris le besoin que nous avons d'eux, et je pense que nous avons déjà entamé un premier tour de négociation. Nous allons poursuivre ces négociations et nous sommes vraiment très contents de pouvoir les impliquer dans cet article 6. Alors je dirais en guise de conclusion que je souhaite aux négociateurs qui travaillent dur sur l'article 6, je leur souhaite beaucoup de succès pour trouver une solution dans le cadre donc de l'article 6, afin que nous ayons des instructions, des directives ainsi pour pouvoir aller de l'avant et avoir une implémentation, avoir sa mise en œuvre. Ceci étant dit, on nous a dit que le temps imparti est presque écoulé. Je voudrais remercier les différentes personnes qui ont fait part de cette Sandra également, Raquel, Daniel est déjà parti, mais je remercie donc toutes les personnes qui nous ont aidés lors de cette séance. Je remercie toutes les personnes qui ont participé ici dans la salle et aussi en ligne, et je vous souhaite donc beaucoup de succès, et je vous remercie une fois encore de votre participation. C'est un plaisir pour moi d'avoir été votre modérateur pour cette discussion sur l'ICMO dans l'Afrique du Sud-Ouest. Merci.
Raz, 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 raz. Dziękuję. Pięknie słychać. No.